Travailler pour aujourd'hui, va rentre chez toi, vol. Va, petit passereau, va retrouver ta passerelle. Va. Ah, mais merde! Mais ma chienne dans la main! Bestiole de merde! Oh, mes aïeux, oh, quelle joie de pénétrer dans votre nuit. Bonsoir, Blanche-Neige. Shrek, mon Dieu, tu fais de l'anémie. Non, mais je suis pas non plus. Blanche-Neige, si l'on vous reçoit ce soir... Ah, ça s'applaudit, évidemment. Blanche-Neige, si l'on vous reçoit ce soir, c'est pour évoquer cette polémique qui vous concerne. Le lapin était consentant. Pardon? Je dis le lapin était... Mon Dieu, ce n'est pas pour ça que vous m'a... Non, ah, voilà. Non, pardon, c'est rien. Monsieur, on a encore enchaîné. Non, monsieur. Vous allez bien? Oui, pourquoi? J'ai l'air d'aller mal. Non, parce que vous avez l'air agité de... Non, s'il te plaît, Gollum, tu peux te dépêcher parce que moi, j'ai une clairière pleine de nains à récurer, puis j'ai 3 opossums, une biche en arrêt de maladie. Alors, oui, non, j'y vais. Alors, je voulais vous reparler de l'affaire du baiser. Hein, oui. Donc, on rappelle l'histoire. Vous êtes empoisonné par la pomme de la sorcière et le prince charmant rompt le sort en vous embrassant, oui. Mais sans votre consentement. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Une séance de spiritisme avec Whoopi Goldberg? J'étais morte. Oui, tu crois, mais... quoi que tu voulais qu'il fasse? Mais non, mais c'est-à-dire que le problème, c'est que cette scène donne une très mauvaise image des relations entre un homme et une femme. Un baiser, ça ne se vole pas, ça se fait avec consentement. Avec consentement, mais j'étais morte. Mais ça veut dire que toi, tu vas au cimetière sur la tombe de ta vieille tante, tu réclames l'héritage, mais t'attends qu'elle te dise oui. Non, mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. Mais non, ce n'est pas le problème. Le problème, ça n'est pas ça, ça n'est pas ça. Le problème, c'est que personne, écoutez-moi bien, personne ne se demande pourquoi ce type, hein, avec un petit collant moulant, avec un chapeau, avec une plume dessus, oui. Hein, se balade au fin fond de la forêt, va embrasser une morte. La nécrophilie, on en parle. Non, non, mais écoutez, franchement, c'est pas le propos. Blanche-Neige, vraiment, bon, je vous dis juste que dans le monde normal, il ne devrait pas faire ça et que cela envoie un très mauvais message aux petites filles. Mais arrête, mais les enfants sont capables de discernement. Toi, t'as été un enfant. Bah, oui. Est-ce que t'as commandé les 101 dalmatiens? Mais non, je n'ai pas ça. Mais ce n'est pas ma question. Oui, eh ben moi, comme dirait une de mes amies princesses, c'est ma réponse. D'accord. D'accord, bon. Donc vous ne voyez aucun problème à ce que le prince vous embrasse sans votre consentement, si. D'accord. Ah si, je vois un problème. Ah, ben je vois un problème. Je me pose la question, pourquoi on appelle cette buse de prince charmant, prince charmant? Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Ah non. Oui, il me semble que vous n'avez pas dû rencontrer beaucoup de princesses non plus. Écoutez. Non, mais vous allez voir, c'est, attention le gars, c'est un niveau de compétition, vous allez voir, voilà. Ah, oui. Charmant! Vous allez, Charmant! Oh mon Dieu, j'ai oublié que cet abruti ne répond que quand je chante. Ça va pas vous, hein? Si, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que j'ai l'air d'aller mal? Un jour, mon prince viendra. Vous allez voir. Oui, mon prince viendra. Mais oui. Charmant! Quand on jette qui se gourde, je. Mais pas le tout son cristallin de ma dulcinée. Blanche-Neige! 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 Et dont moi que vous hélez de vos lèvres purpurines. Non, pardonnez-moi, j'attends le réparateur de vous, là, parce que je voudrais qu'il me rebranche mon décodeur. Ah, vous m'envoyez, désolé. Et sur ce, je m'en vais non, d'un non, pas. Il est compris, il est compris. Non, attends, reste ici. Assieds-toi, c'est de toi, je tombe, il m'énerve, je n'en peux plus. Ah, Blanche-Neige, mon cœur se remplit d'une inaltérable joie. Ah, il est miel. Moi, je pense qu'il a dû être cérumène dans une autre vie. J'aimerais en savoir un peu plus sur le début de votre rencontre. Oh oui. Alors voilà. Il était une fois... Oh, le boulet. Oh, Blanche-Neige, chacun de tes mots est une mélodie nacrée et doucereuse à mes oreilles. Mais je vais te foutre un coup de boule en stéréo. Oh, oui. Tu vas croire que t'es à Tom Holland, toi. Oh, oui. Chantons ensemble les mélopées de l'amour. Ta gueule. Moi aussi, je t'aime. Mais... Blanche-Neige, pour toi, je serais capable de mourir sur le champ.
Vous n'avez pas un champ à proximité? Non, je n'ai pas de champ. Bon, on a bien compris que vous aviez un peu marre du prince charmant, on l'a compris. Bon. Je n'en veux plus. Non, mais attendez, regardez, vous allez voir. Regardez, charmant. Ici, oui. Par ici, là. Regardez. Alors, donnez-nous un peu votre image, votre modèle en termes de prince. Non, c'est un prince tellement courageux, tellement téméraire. C'est le prince Philippe. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus parce qu'il n'est même pas au courant que Philippe est devenu roi. Ah oui. Cela dit, je ne suis pas certaine que Philippe le sache non plus. Non, je t'aime. Et toi, m'aimes-tu? Je peux avoir 50-50, Jean-Pierre? Oui, c'est vrai. Oh, voilà que ça te reprend. Vas-tu bien, mamie? Oui. Rien de grave? Non, rien. Je m'en souviens. S'il te plaît. Ouh, on va me chercher un verre de rosé. Un verre de rosé? Mais il fait à peine nuit. La rosée du matin ne s'est pas encore déposée sur les brindilles et les fleurs. Mais con, tu es con. Un verre de vin rosé. J'y file, mamie. De ce pas. Ça y est, vas-y, sors, il est parti, tu peux sortir. Vas-y. Non, mais vous êtes vous, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est simplet. C'est simplet. C'est simplet. J'adore Charles-Michel. Dégage maintenant. Mais attendez, excusez-moi, mais... Excusez-moi, est-ce que je peux savoir ce qu'il faisait sous la table? Vous voulez que je vous le mimasse? Ah ben, quand bien vous fasse. Ah mais non, mais je vous en prie, Blanche-Neige, pardon. Vas-y, mais sors de là. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est qui? C'est qui, lui? Regarde, Tocard, j'en ai marre de tes questions d'âge. Quoi? C'est grincheux. Oui, c'est grincheux, ça va, j'ai compris, merci. Les enfants, coupez immédiatement cette télévision. N'écoutez pas ça, les enfants. Sinon, au contraire, écoutez ça et les petites filles, regardez-moi bien. Écoutez, justement, les petites filles. Les petites filles, vous êtes libres. Vous m'entendez? Vous êtes libres. Et si un jour, vous avez envie d'épouser un prince, eh bien, ne le faites pas parce que vous avez besoin de lui, mais parce que vous avez envie. Vous m'entendez? Envie, c'est le plus... Je dois vous laisser, je suis en pleine heure de fourche et je dois reconsidérer le pacte d'excellence. Mais c'est pour... Oui, on a compris que c'est un prof. Il parle plusieurs langues, il est très habile. Mais je vous en prie, Orpa Blanche-Neige, mais je croyais que vous et le prince étaient une histoire, un conte de fées. Un conte de fées? Mais un conte de fées, rien du tout. Mais c'est une nullité au lit. Écoutez-moi, oui. Je vous avoue que souvent je rêve du prince de Lu parce que lui, au moins, il a réussi à fourrer quelque chose. Oh, mais non, hein. Mais... Je suis désolée. Ah, vraiment, je suis désolée. Oh, oui, tu vas me dire que tu es timide, toi. Eh ho, j'ai servi de vibro. Non, écoutez, véritablement, on ne peut pas. Écoutez. Blanche-Neige et cette nymphe aux mâmes, je crains. Qu'est-ce que je disais? Non, écoutez, les petites filles, s'il vous plaît. Ce que je disais, c'est que nous sommes des princesses, mais nous sommes aussi des guerrières, nous sommes aussi des aventurières, d'accord? Donc, une personne ne peut décider à votre place, d'accord? Aucun homme ne peut vous emprisonner. Vous m'entendez jamais. Nous aussi. Qu'est-ce que j'ai? Youpi! J'étais content d'aller polir ce diamant, madame. C'est joyeux. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Voyez, les filles, c'est nous qui décidons ce que nous faisons avec notre corps. Voyez, si nous avons envie de jouer avec quelqu'un avec notre cliqui, c'est notre cliqui. Mais oui, notre cliqui est un pétale, est une fleur qui s'éparpille et qui s'émerve. Oh mon Dieu! Sage, mais je t'avais dit de te faire vacciner! Je crois qu'il y a un chat dans la gorge. Au revoir. Pardonnez-moi, je crois que maintenant tout le monde est sorti. Non, je crois que moi j'en ai compté que 6. Ah bon? C'est bizarre, je ne sens rien. J'ai compris, attendez. Ah voilà. C'est pas là. On est déjà arrivé. Mais en tout cas, c'est pas grâce à toi. Allez, dormeur. Allez, bonne nuit. Voilà. Je suis désolée parce que je ne sais pas du tout où reste l'autre abruti, mais je crois qu'on va y...
Je suis désolée, je... Oh, qu'est-ce que c'est? Mais qui est-ce donc? Oh, mon Dieu. Oh, c'est... Mais... Trois clés. C'est Passepartout. Mais c'est Passepartout. Oui, en tout cas, on peut dire qu'il porte bien son nom. Ma promise. Ma promise. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je vous ai trouvé un verre de rosé dans une cuvette au premier étage. Et sur le chemin du retour, j'ai croisé les sept nains. Ils sont fort sympathiques. Oui. Ils reviennent de la grotte? Oui, oui, oui. Ah, oh, oui. Ah, oh, je me sens bien avec toi, ma douce. Mais... Je me sens parfois si seul lors de ces longues chevauchées. Ah, mais tu as raison, tu es bien seul lors de tes longues chevauchées. T'inquiète, t'inquiète. Bon, allez, je me casse, on est ras-le-bol. Bon, bah, merci, bah, merci, Blanche-Neige, alors. Bah, écoutez, je vous raccompagne, alors. Ouais, allez, viens, viens. Dépêche-toi. J'arrive, j'arrive tout de suite. Merci. Allez, à fond. Puis-je vous prendre la main? Attends, attends. Attends, attends.